Dank aan de sprekers en ook grote dank aan Philippe van Parijs. Al jaren trouw aan deze avond, trouw ook aan de stad. Kunnen we ons iets anders voorstellen? Vergeet niet dat we een Twitter-account hebben, hashtag NuitNachtBrug. En wat hier is gezegd, dat mag gerust de wereld weten, dus stuur het rond. De volgende spreker zag u al net in het debat met Benjamin Wayens. Gilles Van Am, assistent professor géographie humaine aan de Université Libre de Bruxelles. Hij voert onderzoek naar de territoriale impact van de globalisatie op vlak van de economische en sociale geografie. Woont in Elsenen en heeft zo net de Atlas des quartiers en difficulté bijgewerkt. Een atlas voor achtergestelde wijken. Moet je maar eens opzoeken via het internet. Geef hem een applaus. Gilles Van Am. Bonjour à tous. Donc, je vais maintenant vous mettre le contexte du débat finalement qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de vous expliquer comment est structurée la ville de Bruxelles et quel problème est posé par la concentration des difficultés à certains endroits. La première chose, c'est de vous montrer à quel point Bruxelles est une ville fracturée. C'est un phénomène bien connu. Des comparaisons européennes montrent que Bruxelles est quand même une ville plus fracturée que d'autres, hein, semble-t-il. Hein, c'est des comparaisons un peu difficiles à faire. Mais ce qui est important de noter, c'est que cette fracture, elle recouvre un ensemble de dimensions extrêmement différentes, hein, de la vie quotidienne et des dimensions essentielles de cette vie quotidienne. Bien sûr, la chose est bien connue, ces inégalités, elles passent d'abord par des inégalités de revenus. Hein, et on retrouve ici très clairement... Hein, ce qu'on appelle couramment le croissant pauvre, hein, quelque part entre Saint-Josse et Saint-Gilles en passant par le vieux Molenbeek et Kureghem, où les revenus sont beaucoup plus faibles, hein, par rapport à ce qu'on appelle par exemple le cadran sud-est, où les revenus sont plus élevés. S'ajoute à cela un autre phénomène bien connu, c'est l'intensité des inégalités en termes d'accès au marché du travail. Hein, des différences énormes en termes de taux de chômage, avec, on retrouve ici très très clairement, et vous voyez la corrélation très forte avec la carte précédente, hein, un des taux de chômage extrêmement élevés dans le croissant pauvre, hein, qui atteignent plus de 28%, mais quand on parle des jeunes, là on est à peu près à la moitié des jeunes actifs au chômage dans ces quartiers du croissant pauvre. Ça, ce sont des cartes qui sont souvent montrées et assez connues. En revanche, cette fracture géographique, elle concerne aussi, des dimensions qui sont beaucoup moins étudiées. Par exemple, les différences en matière de mortalité, d'espérance de vie. Et on retrouve à peu près la même géographie. Alors, elle est plus complexe pour toute une série de raisons techniques, mais on retrouve néanmoins le croissant pauvre avec des espérances de vie qui sont 4, 5 ans, 6 ans inférieures à, par exemple, toute une série de quartiers du sud-est de Bruxelles. S'ajoute à cela une dernière dimension. Vous voyez que l'échelle a changé de la carte. Je m'en excuse, mais peu importe, parce que ici encore, ici on mesure quelque chose d'essentiel, parce que là, il s'agit pas seulement des inégalités dans la ville, mais il s'agit de la reproduction des inégalités d'une génération à l'autre. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve ce croissant pauvre où le retard scolaire, c'est-à-dire, finalement, est beaucoup plus élevé que dans les quartiers sud-est et dans une grande partie de la périphérie de Bruxelles. Donc, vous voyez que cette inégalité, cette fracture géographique de la ville, elle recouvre toute une série de dimensions qui, évidemment, interagissent et se renforcent les unes les autres. Bon, alors, première question, c'est pourquoi on va aborder cette question très très brièvement pour aller un petit peu plus loin. Eh bien,
Évidemment, ici, il n'y a rien de, d'extraordinaire dans ce que je vous dis, mais s'il y a des inégalités sociales, enfin des inégalités géographiques dans la ville, c'est d'abord parce qu'il y a des pauvres et des riches. Et c'est très important de le rappeler. C'est-à-dire que le problème n'est pas d'abord un problème géographique. Le problème, il est d'abord un problème d'inégalité sociale. C'est quelque chose d'important à rappeler. Hein, parce que on y reviendra, plus tard, hein, pour vous expliquer est-ce que le vrai problème, c'est la concentration la pauvreté ou le problème, c'est la pauvreté elle-même. Hein. Donc c'est quand même une question importante sur laquelle on reviendra. Donc c'est une première chose à rappeler. Et puis il y a une deuxième chose, évidemment, c'est que ces pauvres et ces riches ne résident pas dans les mêmes quartiers. Et qu'à partir du moment où il y a une concentration des pauvres à certains endroits, eh bien ce sont des quartiers que les autres classes sociales évitent et éventuellement payent pour éviter. Parce qu'évidemment, ça coûte plus cher de résider dans certains quartiers que dans d'autres, ça chacun le sait. Donc, rien de nouveau, sans doute, pour vous, là. En revanche, la vraie question intéressante, c'est est-ce que la concentration de la pauvreté, est-ce que la concentration géographique des difficultés sociales est un problème en soi? Est-ce que le fait de concentrer les pauvres à certains endroits, ça accentue les problèmes ou pas? La réponse intuitive que les gens donneraient, c'est oui, c'est évident. Hein, si vous concentrez tous les problèmes à un même endroit, ça va être beaucoup plus grave que si vous ne les concentrez pas. Eh bien, la réalité est plus compliquée que ça, en réalité. Alors, on peut donner une première réponse qui est oui. Le fait de concentrer les problèmes géographiquement, ça augmente un peu les problèmes. Et certaines études ont pu montrer qu'à diplôme égal, par exemple, hein, vous avez cette carte qui est quand même assez spectaculaire, parce que ce qu'on dit aux jeunes, notamment aux jeunes issus de l'immigration, c'est « diplômez-vous, ce sera pour vous la porte vers l'emploi ». Or, regardez cette carte, elle est extrêmement spectaculaire. Elle nous dit qu'à diplôme égal, c'est-à-dire ici pour les diplômés du supérieur, eh bien les taux de chômage sont beaucoup plus élevés dans le croissant pauvre que dans le reste de la ville. Et là, on parle à diplôme égal. Donc, il y a bien un problème géographique, si vous voulez. La concentration des problèmes, toute chose égale par ailleurs, la concentration géographique des problèmes renforce les problèmes au niveau individuel. Mais en réalité, c'est un discours qu'il faut fortement nuancer. Parce que on peut aussi montrer que la concentration des problèmes, c'est loin d'être le problème principal. Et qu'il ne va pas suffire de déconcentrer la pauvreté pour résoudre le problème de la pauvreté. Et qu'en réalité, le lieu de résidence des individus pèse beaucoup moins lourd sur leur destin que ce qu'on pourrait appeler les véritables variables lourdes, c'est-à-dire leur origine sociale, par exemple le diplôme des parents, leur sexe ou leur origine nationale. Si vous regardez par exemple l'accès à l'emploi, ces trois variables ont beaucoup plus d'impact que le fait de résider dans tel ou tel quartier. D'accord ? C'est quelque chose d'extrêmement important à retenir. Les inégalités sociales et la reproduction des inégalités sociales ne passent pas essentiellement par le lieu de résidence. Ils passent essentiellement par d'autres variables sociales lourdes. Et pourquoi c'est important ? Parce que c'est important pour savoir comment agir là-dessus. Or, par rapport à cette question de la concentration de la pauvreté, on peut dire que les pouvoirs publics, en particulier la région de Bruxelles, enfin les pouvoirs urbains en général, ont eu deux types d'actions. Et ici, à Bruxelles, on a eu deux axes essentiels d'action vis-à-vis de la concentration de la pauvreté. Le premier, c'est la rénovation des quartiers pauvres. C'est-à-dire investir dans ces quartiers pauvres, rénover l'espace public, introduire des espaces verts, des aménagements, etc., etc. Ça a été un des axes lourds de ce qu'on appelait, par exemple, les contrats de quartier à Bruxelles. C'est quelque chose auquel il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Ce qui peut poser problème dans ce qu'on pourrait appeler une action sociale territorialisée, c'est-à-dire... On n'aide pas directement les pauvres, mais on agit sur l'espace dans lequel vivent les pauvres. C'est ça qu'on a fait essentiellement avec les contrats de quartier. Ça peut poser des problèmes parce que le risque est de ne pas toucher véritablement les populations défavorisées des quartiers défavorisés.
Hein, et c'est quelque chose qui a été documenté dans ce type de politique. Je ne parle pas nécessairement pour Bruxelles, mais enfin, l'action sociale territorialisée ne peut rater sa cible. Deuxième élément, on a cherché à résoudre le problème de ces quartiers par ce qu'on appelle la mixité sociale. Donc, puisqu'il y a beaucoup de pauvres au même endroit, qu'est-ce qu'on va faire? On va y amener des classes moyennes. Hein, et je vais particulièrement insister sur cette question de la mixité sociale. Hein, est-ce que d'avoir une analyse critique de ce discours de la mixité sociale? Alors, pourquoi est-ce que l'impératif de mixité sociale, et en tous les cas tel qu'il est appliqué à Bruxelles, pose des problèmes? D'abord, parce que voici une tentative de mesure. Alors c'est très compliqué, je ne voudrais pas ici rentrer dans des débats techniques sur la mesure de la mixité sociale. Mais enfin, voici un exemple de mesure. Plus c'est blanc, plus c'est clair, moins c'est mixte. Et donc on retrouve effectivement les quartiers du croissant pauvre comme des quartiers peu mixtes, mais on retrouve aussi toute une série de quartiers riches comme étant très peu mixtes. Or, l'impératif de mixité sociale, il a été imposé politiquement aux quartiers pauvres et absolument pas aux quartiers riches. Ou il l'est que théoriquement. Deuxième chose, il se pose une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on veut de la mixité sociale? On veut de la mixité sociale, par exemple, pour faire de l'exemple. Vous avez des classes moyennes, vous avez des contacts qui vont s'établir entre les différentes parties de la population, et celles-ci peuvent éventuellement, par exemple, hein, c'est un mécanisme possible, servir de modèle pour les populations locales, défavorisées, etc. C'est une des raisons pour lesquelles on pourrait vouloir de la mixité sociale. Or, le problème qui se pose, c'est que la mixité sociale n'est pas si mixte qu'on voudrait bien le savoir, qu'on voudrait bien le dire. C'est-à-dire que une sociologue de Saint-Louis, hein, Madame Lenel, a étudié ça et elle a constaté qu'en réalité, les nouvelles classes moyennes qui étaient installées dans ces quartiers-là avaient finalement un vécu quotidien de la ville qui les mélangeait très très peu avec les populations locales. C'est-à-dire que les lieux de sortie sont pas les mêmes. Les lieux de scolarisation des enfants sont pas les mêmes. Et très souvent, ces classes moyennes qui sont installées, par exemple, à Molenbeek ou Anderlecht, etc., n'y passent que quelques années, n'y restent pas pour s'y installer de façon définitive. Donc, la mixité sociale n'est donc en pratique pas si mixte que ça. Et donc, les effets positifs qu'on pourrait en attendre, ils viennent pas nécessairement. Et troisième élément sur lequel je vais insister, c'est les mouvements de population tels qu'ils ont eu lieu dans la ville. C'est-à-dire, finalement, comment toutes les populations, comment cette dynamique urbaine se joue et comment les populations se mélangent au sein de l'espace bruxellois. Et pour ça, je vais vous montrer quelques cartes assez frappantes, hein, et je terminerai essentiellement par là. Première chose, qui accueille cette nouvelle vague d'immigration qu'on a à Bruxelles? Eh bien, on retrouve ces quartiers centraux. En particulier les quartiers du croissant pauvre, mais aussi les quartiers centraux, denses, plus à l'est, qui sont moins défavorisés. Mais attention, les quartiers centraux, denses, plus à l'est, ils accueillent surtout des personnes qui sont nées dans un pays riche. Ça veut dire que les personnes qui sont nées dans un pays pauvre, eh bien, ils se retrouvent essentiellement dans le croissant pauvre. Hein, donc, la nouvelle pression migratoire liée à l'immigration, elle se concentre dans les quartiers qui sont déjà les plus défavorisés. Et finalement, en même temps, on a un autre processus, c'est qu'une partie de la population, mais attention, ce n'est qu'une partie de la population, cherche à quitter ce croissant pauvre, et où va-t-elle? Elle va vers les quartiers adjacents un peu moins pauvres, essentiellement vers l'ouest de la ville, et vers le nord-est. Donc ceux qui quittent le croissant pauvre, ils vont dans les quartiers adjacents un peu moins pauvres. Et regardez, presque aucun, hein, on est entre 2005 et 2010, dans les quartiers riches. Or, si vous regardez les cartes précédentes, on a aussi aucune immigration extérieure qui va vers les quartiers riches. Donc vous voyez qu'on demande beaucoup aux quartiers pauvres, alors que, en termes de dynamique, il se passe très très peu dans le cadran sud-est de la ville.
Et les résultats, vous avez les quartiers pauvres qui sont des quartiers dynamiques, dans le sens où il s'y passe énormément de choses, beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs, des gens qui restent sur place pour très longtemps aussi. Vous avez une population qui est finalement extrêmement diversifiée en termes d'origine sociale, d'origine ethnique, etc., etc. Et cette dynamique, c'est de l'arrivée d'immigrés pauvres, du départ d'une partie des résidents pauvres, l'arrivée de nouvelles classes moyennes qui parfois remplacent d'anciennes classes moyennes issues de la population locale et qui cherchent à fuir le quartier. Donc ce qu'on appelle cette mixification par l'arrivée de nouvelles classes moyennes, parfois c'est en remplacement de classe moyenne, on va dire endogène, entre guillemets. Et vous ajoutez à cela le fait que dans ces quartiers, il y a une très très forte natalité. Et donc je vais passer ça pour conclure, je dirais, sur un message politique. C'est que d'un côté, vous avez ces quartiers du croissant pauvre dont on exige énormément l'accueil des nouveaux immigrants. La mixité sociale, il y a un impératif de mixité sociale qui s'impose à ces quartiers-là. On lui demande aussi, là, tout s'est éteint, d'assurer la dynamique économique le long de l'axe du canal, alors que dans les quartiers riches, la croissance de la population est beaucoup moins forte, il n'y a pas de nouveaux arrivés, etc., etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention.